les infrastructures sont extrêmement importantes dans le sens où elles constituent ce que j'ai appelé lors du forum des marchés. Je m'explique. Si vous avez une seule station d'atterrage, vous avez un opérateur qui est en situation de monopole. Si vous en avez deux, on a un duopole. Et si on a trois, on a un oligopole. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a la concurrence qui va commencer à s'installer. Et donc, nous, ce que nous souhaitons, effectivement, c'est de voir ces infrastructures se développer, mais de participer conformément à la réglementation en vigueur, en s'assurant que ces infrastructures seront accessibles de façon équitable et que les gestionnaires ne mettront pas des barrières à l'entrée. On est au cœur de tout développement d'une économie numérique, mais pas seulement d'une économie numérique. Il y a toujours les infrastructures et il faut pouvoir trouver les financements pour ces infrastructures. L'autre avantage, c'est que quand on finance des infrastructures, il y a d'autres volets qu'il faut regarder, qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour ça qu'on parle d'un écosystème. Donc on peut effectivement financer les infrastructures des télécommunications, de l'économie numérique, mais il faut également que ces infrastructures soient appuyées par d'autres infrastructures, comme effectivement les infrastructures énergétiques. Car sans énergie, il est effectivement difficile de parler de développement des télécommunications et de l'économie numérique. C'est donc, si vous voulez, toute une politique globale qu'il faut intégrer. Et donc, on développe et on finance les infrastructures numériques. Et derrière, on développe et on finance également les infrastructures de base.